Bom dia a todos e a todas que nos assistem neste programa Abralim ao Vivo, da Associação Brasileira de Linguística, em um dia que teremos mais uma brilhante conferência, a segunda do dia. Bonjour, à Monsieur Jean-Michel Adam, notre conférencier. Gostaria de agradecer à professora Mônica Magalhães Cavalcante, da Universidade Federal do Ceará, líder do grupo de pesquisa Protexto e coordenadora da tradução do livro Le Texte, Type et Prototype, um dos clássicos do professor Jean-Michel Adam, pelo convite que ela me formulou em nome da Abralim para ser a moderadora da conferência que logo terá início. Gostaria igualmente de agradecer ao professor Miguel Oliveira Júnior, presidente da Abralim, pelo convite e, sobretudo, pelo brilhante trabalho que está realizando no âmbito da Abralim em prol da socialização dos avanços da linguística. Nessa direção, é preciso reconhecer que as distâncias geográficas se tornaram insignificantes em face de um projeto tão arrojado, que conta com tecnologia e plataforma de ponta. O Abralim ao vivo evidencia também o compromisso institucional do professor e pesquisador, que é o presidente da Abralim e toda a diretoria. Parabéns a todos. Gostaria ainda de agradecer às tradutoras, à professora Suzana Leite Cortez, da Universidade Federal de Pernambuco e membro do grupo Protexto, liderado pelas professoras Mônica Magalhães Cavalcante e Marisa Ângela Paiva Brito, assim como a Isabel Muniz Lima, orientanda de doutorado da professora Mônica Magalhães Cavalcante, no programa de pós-graduação em Linguística da Universidade Federal do Ceará e membro do Protexto. Cher Jean-Michel Adam, je vous remercie au nom de l'Abralim, l'Association Brésilienne de Linguistique, de bien avoir accepté l'invitation pour partager avec nous l'état actuel de vos recherches théoriques sur le niveau d'analyse linguistique. Merci beaucoup. Maintenant, je suivrai le script de l'Abralim. Sou a professora Maria das Graças Soares Rodrigues, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, lotada no Departamento de Letras e credenciada como professora permanente no Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem e no Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Letras. Sou líder do grupo de pesquisa em análise textual dos discursos. O evento Abralim ao Vivo, Linguists Online, é uma iniciativa da Abralim, Associação Brasileira de Linguística, em cooperação com várias associações internacionais, entre as quais o Comitê Internacional Permanente de Linguistas, a Associação de Linguística, Filologia e Filologia da América Latina, a Sociedade Argentina de Estudos Linguísticos, a Sociedade Espanhola de Linguística, a Sociedade Linguística da América, a Associação Linguística da Grã-Bretanha, a Sociedade Linguística Europeia, a Sociedade Australiana de Linguística, a Associação Internacional de Linguística Aplicada e a Associação Britânica de Linguística Aplicada. Agora apresentarei o conferencista. C'est pour moi un véritable honneur et un grand plaisir de présenter maintenant le prochain conférencier, le professeur et ami Jean-Michel Adam. Notre conférencier est très connu au Brésil et dans plusieurs pays. Il a été déjà invité par des universités du Nord-Est et du Sud-Est lors de ses séjours pendant 5 ans de suite pour participer à des colloques en différentes institutions d'éducation supérieure comme l'Université fédérale du Rio Grande do Norte, l'Université fédérale du Ceará, l'Université fédérale de Pernambuco, l'Université fédérale de Alagoas, l'Université de São Paulo et la Pontifícia Université catholique de São Paulo. Ces deux dernières universités l'ont invité dans le cadre du projet de coopération universitaire, PROCAD, qui a réuni l'UFRN, l'USP et la PUC de São Paulo. Notre invité a été pendant
28 ans, professeur ordinaire et titulaire de la chaire de linguistique française de la faculté des lettres de l'Université de Lausanne, où il est devenu depuis le 1er août 2012 professeur honoraire de linguistique française. Il participe en tant que membre de 6 comités scientifiques de revue en France et également de plusieurs comités scientifiques en Suisse, en Belgique, en Italie, au Portugal et en Espagne. En plus, il est membre de 4 comités scientifiques de collection chez des maisons d'édition françaises et des éditions Mercado de Letras au Brésil. Professeur invité pour donner des cours dans des universités de différents pays, comme la Belgique, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, la France, le Danemark, le Canada, les États-Unis, le Maroc et la Tunisie. Il a écrit 14 livres, dont certains ont été traduits en portugais, comme c'est le cas de la linguistique textuelle en traduction à l'analyse textuelle des discours, traduit par Luiz Passege, João Gomes da Silva Neto, Eulália Vera Lúcia Fraga Lercan et moi-même. Cette année est sortie sa 4e édition en langue française au mois de février. Ce livre a aussi une traduction roumaine. Le livre, le texte, type et prototype a aussi été traduit en portugais grâce à la professeure Mônica Magalhães Cavalcante qui a coordonné le comité de traduction constitué par les professeurs suivants qui ont fait la traduction: Ana Lúcia Tinoco Cabral, Anaximandro Amorim, Antenor Almeida Júnior, Áurea Zavan, Evandro Castelão, Georgina Miranda, Marisa Angélica Brito, Rosalice Pinto, Suzana Leite Cortez, Valnei Veras da Silva e Valdinar Custódio Filho. Se livra aussi une traduction grecque et une roumaine. Il faut aussi signaler que certains livres de notre conférencier ont été traduits dans d'autres langues, comme le japonais, l'arabe et le coréen. Il y a écrit 9 livres en collaboration. Il en a un que nous avons participé. Il s'agit d'analyse textuelle et discursive, méthodologie et application, publié au Brésil chez Cortez Editora en 2010. Il a écrit aussi un livre en collaboration avec Ute Heidemann, Le texte littéraire, pour une approche interdisciplinaire, dont la traduction portugaise de même a été faite par des professeurs et collègues, João Gomes da Silva Neto, Luiz Passege, Márcio Vinícius et moi-même. Il faut signaler qu'il a écrit aussi, en collaboration avec Ute Heidemann, le livre Textualité et intertextualité des contes, publié chez Classique Garnier. Une nouvelle édition de ce livre, traduit, paraîtra au Brésil avec une contribution en plus du professeur Márcio Vinícius Barbosa. En ce moment, nous avons le plaisir d'annoncer qu'un dossier dirigé par Jean-Michel Adam, Alexandre Teixeira Gomes et moi-même, de la revue Lettres Magna, de l'Université fédérale de Santa Catarina, va bientôt paraître. En plus, João Gomes da Silva Neto, Luiz Passege et moi-même sommes en train de traduire une notice, La notion de texte, Paris, dans l'Encyclopédie grammaticale du français, qui paraîtra en format e-book chez les éditions de l'Université fédérale du Rio Grande du Nord. Il faut encore mentionner la participation de Jean-Michel au livre que moi et professeur Sueli Cristina Marquez sommes en train d'écrire no chapitre. Le même est le résultat d'un stage postdoctoral que nous avons fait sous sa supervision à l'Université de Lausanne. Jean-Michel Adam a 12 travaux en ligne et 4 entretiens. Le dernier entretien va paraître au numéro 124 de la revue Mots. En plus de tous ces livres, de tous ces travaux qui sont en ligne, il a publié
dessins, trente de travaux, sous format d'article ou de chapitre de livre. Il faut ajouter encore quatre qui vont paraître bientôt. Il a dirigé six volumes collectifs, les derniers étaient Ferritexte, Frontières textuelles et Opérations de textualisation. En 2015, et 15 numéros de revues scientifiques. La dernière a été Semaine en 2012. Il a participé de 83 jurys de thèses et d'habilitation et il a dirigé 20 thèses de doctorat. Il est membre de notre groupe de recherche Analyse textuelle des discours, ATD. Je pourrais continuer à parler pendant encore longtemps si ce grand professeur cherchait, qui a énormément contribué et contribue toujours, sans arrêt, aux études de la linguistique textuelle. Pour clore cette présentation, je souligne que c'est lui qui a fondé l'approche théorique de l'analyse textuelle des discours. Après cette présentation, je vous annonce, ce que vous connaissez déjà, le titre de la conférence d'aujourd'hui, Ferritexte, os níveis de análise linguística do interfrástico ao transfrástico. Cher professeur Jean-Michel Adam, au nom de l'Abralin, l'Association brésilienne de linguistique, je vous remercie encore une fois de bien avoir accepté de faire la conférence sur le niveau d'analyse linguistique. Nous sommes tous heureux et heureuses de vous avoir aujourd'hui avec nous et avons hâte de vous entendre. À vous la parole. Merci. Voilà, je crois que ça marche maintenant. Je t'entends. Tu m'entends? C'est bon. C'est bon. Mais merci, par exemple, je ne te vois pas. Je ne te vois pas, mais ce n'est pas un problème. Je pense que ça est résolu. Miguel, s'il te plaît. Miguel, por favor. Il está tudo correto, il pode continuar. Là, tu peux continuer, c'est tout parfait. Merci, Graça, pour toutes ces paroles très, très amicales et qui me touchent. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très, très heureux et honoré de collaborer au projet d'échange scientifique à distance, à ce cycle de conférences de la Braline. C'est un grand plaisir de vous retrouver malgré les circonstances sociopolitiques, les circonstances pandémiques qui plongent notre monde dans l'inquiétude. L'heure est aux actes de solidarité et selon moi, le projet Abraline est un bel exemple de ces actes de solidarité possibles. Le titre de ma conférence, dont Graça vient de parler, soulève plusieurs questions. Il renvoie, comme elle l'a dit, à un ouvrage collectif qui synthétisait les travaux menés à Lausanne pendant mes années d'enseignement. Le sous-titre que nous avions choisi, « Frontières textuelles », est un aspect de ce que je vais aborder aujourd'hui, les frontières des différentes unités textuelles. Et le deuxième point, la question des opérations de textualisation qui agissent à différents niveaux de complexité. Tout cela sera au centre de mon propos. Deuxième point que soulève le titre de ma communication, c'est la distinction terminologique de l'interfrastique et du transfrastique que je distingue assez fermement. J'espère être clair à la fin de mon propos, et je les mets en relation avec les niveaux ou paliers d'analyse linguistique textuelle, les niveaux micro-textuels, méso- et macro-textuels. Le cadre théorique de tout cela, Graça vient d'en parler, quelques publications permettent de voir les choses,
depuis mes éléments de linguistique textuelle en 1990 jusqu'au dernier état de ma réflexion sur la linguistique textuelle en 2020. Donc ça couvre plus de 30 ans de travaux, de recherches et de publications. Les théories du niveau mésotextuel dont je parlerai aujourd'hui en partie, cette théorie a été développée dans deux livres. D'abord dans Les textes typés prototypes, qui en fait est un livre sur la théorie des séquences textuelles. Son titre ne l'indique pas, mais c'était un débat avec l'éditeur. Et puis d'autre part, un ouvrage plus récent sur la question du paragraphe, publié en 2018. On verra comment séquences et paragraphes constituent le niveau mésotextuel. Grâce à signaler ces publications, des deux principaux ouvrages de linguistique textuelle et sur la théorie des séquences, les types et prototypes, qui est paru en 2019. Elle a fait également allusion à ce livre collectif publié à Coimbra qui explore les perspectives de l'analyse textuelle des discours. Elle a fait allusion aussi à ces deux livres traduits, des livres collectifs qui ont été traduits en portugais. Je voulais terminer ce survol avec une allusion à l'immense apport de deux chercheurs brésiliens qui ont imposé au Brésil le paradigme de la linguistique textuelle à côté de celui de l'analyse de discours, les professeurs Ingeborg Cor et Luis Antonio Marcucci. Je cite encore cet hommage auquel j'avais été invité à participer, c'était un grand honneur. Alors, j'en viens à mon propos théorique. Les nombreux travaux sur les anaphores, sur les connecteurs, sur les collocations de vocables, l'approche textuelle des temps verbaux prolongent la morphosyntaxe et la grammaire des différentes langues par une linguistique qu'on peut dire interphrastique. Mais cette linguistique interphrastique a la particularité de ne guère dépasser des chaînes de plus de deux ou trois phrases. Le problème théorique qui se pose et que nous devons résoudre est bien résumé par Hallyday et Hassan. Le texte n'est pas une simple file ou un chapelet de phrases. Le texte n'est pas une suite linéaire de phrases successives additionnables. Et il constate qu'il n'existe pas entre les phrases de relations structurales ou grammaticales. Et comme ils le disent, c'est là le titre de leur livre, c'est là que commence l'étude de la cohésion. C'est là qu'elle devient nécessaire et importante. L'objet de la linguistique textuelle est effectivement la théorisation de cette cohésion. Ou plus précisément, c'est une autre distinction à mes yeux importante, une théorisation des questions de connexité, de cohésion et de cohérence. Et ces trois concepts qui ont souvent été utilisés dans le domaine des grammaires de texte et de la linguistique textuelle, je les redéfinis en les mettant en relation avec les différents paliers de textualisation. Ces trois concepts sont des concepts médians. C'est ce que j'essaie de représenter par ce schéma, situés chaque fois entre deux des paliers de structuration. La connexité correspond à la fois au niveau micro et mésotextuel de structuration. La cohésion correspond au niveau mésotextuel et macrotextuel, où des blocs d'énoncés font sens en formant des ensembles bornés. La cohérence, enfin, relève à la fois du niveau macrotextuel et du niveau discursif, générique et contextuel. Il n'y a pas d'effet de texte sans en même temps un effet de genre. C'est ce que veut dire cette idée de cohérence et de liaison entre les niveaux macrotextuels et discursifs génériques. J'accorde une très grande importance à deux idées de Harris dans son article de 1952, fondateur de l'analyse de discours. D'abord, le fait que le langage
n'apparaît pas sous forme de mots ou de phrases égarées, comme il dit, mais de discours connectés, de connected discourse. Il parle par ailleurs de tronçons connectés de discours. Et un peu plus loin, il parle de sections successives de textes qui contiennent chacune leur propre classe d'équivalence, différente de celle d'autres sections. Ces sections peuvent être, dit-il, semblables à des paragraphes, à des chapitres, à des sous-textes, dit-il, à l'intérieur du texte principal. C'est ça qui m'intéresse le plus. Harris n'a pas approfondi cette question, essentielle pour la linguistique textuelle, autant que pour l'analyse de discours. Mais c'est à la théorisation de ces tronçons connexes de discours, ou sections, que s'est attaché Teun van Dijk. Quand il dit que la différence entre les grammaires génératives de phrases et les grammaires de texte tient au fait que les dérivations du texte à la phrase ne se terminent pas par des phrases simples ou complexes, il fait allusion à ce que j'essaie de représenter ici, le lien entre les phrases que je note F1, 2, 3, etc., selon cet ordre linéaire. La question qui se pose, c'est comment rattacher ces phrases au texte. Chacune se rattacherait directement au concept de texte. C'est, si on appliquait le modèle de représentation des arbres syntaxiques de la grammaire générative qui vont de la phrase au syntagme, le modèle de la liaison directe du texte à la phrase. Ce n'est pas du tout ce qui se passe, bien sûr. Et je reprends la fin de la citation de Van Dijk, qui ajoute ceci. Il parle de suite ordonnée de groupement de phrases. C'est ça qui est intéressant. Et il ajoute, c'est-à-dire de séquences. Je traduis les N tuples par groupement ou multiplet. Un multiplet étant un système formé par un certain nombre d'éléments d'un ensemble, N1, N2, NX, qui sont rangés dans un ordre donné. Donc ces multiplets, en tant que système formé d'éléments d'un ensemble et rangés dans un ordre donné, cela correspond très exactement à ce que j'ai théorisé comme les séquences textuelles. En d'autres termes, et en laissant provisoirement de côté le concept de proposition au profit de celui de clause ou oration que j'utiliserai avec un petit O parfois ou un C selon les schémas, assemblé en phrase ou en période, il faut bien voir que ces unités ne sont pas directement reliées au texte, au O du schéma. Ce schéma corrige le précédent en décrivant le fait que le passage du palier microtextuel des clauses, assemblé en période, au palier macrotextuel du texte, qui est délimité par les bornes et frontières initiales et finales du péritexte, le passage entre ces paliers se fait par l'intermédiaire des segments textuels délimités par des blancs d'alinéas de paragraphes, ou le blanc séparant des blocs de paragraphes, d'autres blocs de paragraphes à l'écrit. Entre les deux paliers, micro et macro, nous devons donc introduire un palier intermédiaire, transphastique et transpériodique, celui des segments et des séquences. Cette distinction de trois paliers de textualisation est très présente dans les travaux anglo-saxons sur le paragraphe. Elle apparaît déjà dans un titre de 1968 de Longacre, qui distingue très explicitement trois niveaux, le discours, le paragraphe et la phrase. Il parle ailleurs dans ses travaux en 1992 d'un niveau du paragraphe, paragraph level, situé entre la microsegmentation et la macrosegmentation des textes. De nombreux autres chercheurs, espagnols ou japonais, considèrent
la description de la structure des paragraphes comme un pont entre l'étude de la structure textuelle et celle des structures phrastiques. Il s'agit d'un niveau intermédiaire situé entre la micro et la macro-segmentation des textes. Ceci a été repris plus récemment par le groupe de chercheurs américains qui travaille autour de Franco Moretti, qui parle d'un niveau médian de structuration, une structure médiane occupant une position centrale unique dans l'économie des textes. Van Dijk, lui aussi, a développé cette distinction des trois niveaux, des trois paliers d'analyse, en parlant du paragraphe comme d'un niveau intermédiaire entre les unités de la clause ou phrase et l'unité du texte, et là, il généralise, du texte, du discours ou de la conversation. Et ce qui est important, il ajoute, comme formant un tout, une unité globale. Chez les chercheurs américains Brown et Yule, dans leur ouvrage d'analyse de discours, on trouve une distinction entre les paragraphes orthographiques à l'écrit et à l'oral, les speech paragraphs ou paratone. C'est un mot que je vais utiliser maintenant parce qu'il est très intéressant. Paratone est construit sur le modèle de paragraphe pour l'écrit et paratone pour l'oral. Les spécialistes de l'oral parlent effectivement de paragraphe oral, de paragraphe intonatif, marqué par des indices comme la chute conjointe de la mélodie et de l'intensité sur la syllabe finale. Mes collègues de Fribourg, Beglin et Berendonner, qui segmentent le discours en prenant appui sur les marques de clôture prosodique, isolent également des paragraphes tonaux qu'ils assimilent à des périodes. Les ponctuants textuels des paratones, sont les pauses marquées, certains marqueurs discursifs et surtout les chutes intonatives associées à une complétude syntaxique et généralement à certains mouvements corporels. On peut parler de paragraphes oraux ou paratones dans la mesure où, comme le dit Goffman, les tours de parole couplés sous forme d'échanges bipartites sont comme les paragraphes de l'écrit, liés les uns aux autres par une ou plusieurs suites topiques ou parcours thématiques, les topical runs, ce que traduit aussi le concept d'isotopie. Alors, cette introduction théorique était destinée à montrer que ce sur quoi je travaille vient d'une certaine histoire de la linguistique, il n'émerge pas comme ça du néant et de mon cerveau, mais de recherches collectives, petit à petit, donnent des résultats. Cette partie, un peu trop théorique peut-être, devrait s'éclairer en étudiant un cas particulier. Le début d'un discours prononcé à l'Assemblée nationale française le 8 avril 2014 par le Premier ministre Manuel Valls. Je vais vous faire écouter le tout début de ce discours. Là, voilà. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, trop de souffrance, pas assez d'espérance, telle est la situation de la France. Et c'est conscient de cette réalité que je me présente devant vous. Les Français nous regardent, ils attendent beaucoup de nous, et mon devoir, c'est de me hisser à la hauteur de leurs exigences. Par leur vote ou leur abstention historique lors des dernières élections municipales, ils ont dit leur déception, leur doute, leur mécontentement et parfois leur colère. Le fragment très court que j'ai choisi, j'irai même pas jusqu'à la fin de ce que vous venez d'entendre, mais je voulais vous donner une idée du contexte de ce discours. Le fragment très court que j'ai choisi va me permettre d'insister sur deux questions. La première, qui découle des remarques que je faisais il y a un instant, c'est la comparaison de la segmentation orale et de la segmentation scripturale des unités
même si cet exemple est bien sûr un oral très particulier, puisqu'un oral prononcé à partir d'un texte lu, vous avez vu l'acte de lecture, c'est un écrit oralisé, néanmoins, il comporte les marques de définition du paragraphe oral, on va voir ça tout à l'heure. Ce qui va m'intéresser, c'est la comparaison entre la version écrite et la version orale du discours. Je vais insister sur ce sera le deuxième point important, sur les liages intérieurs au paragraphe et sur les liages entre les paragraphes. Les liages ou les déliaisons, les ruptures entre paragraphes. Je travaillerai ainsi essentiellement sur les niveaux micro et mésotextuel. Je vous propose une transcription de travail établie à partir de l'enregistrement que vous venez d'entendre, disponible sur Internet, avec les flèches ascendantes, il y a la marque bien connue justement de continuation du discours. Les pauses marquées d'un seul trait sont vraiment des pauses extrêmement brèves, deux traits sont les pauses marquées, et trois, les pauses très fortes qui accompagnent une chute, la flèche descend, de l'intensité de la vocalique qui signale une clôture de paratone. Donc, vous avez le texte sous les yeux. Je vais vous donner aussi une traduction portugaise établie avec l'aide de Graça et qu'on pourra éventuellement discuter, si vous le souhaitez, plus tard. Donc, j'ai signalé aussi entre crochets ce que vous avez peut-être noté. Non, on va voir ça tout à l'heure. Je vais voir plus loin. Pour comparer donc les paratones de l'oral et les paragraphes du texte écrit que lit le Premier ministre, il faut jeter un coup d'œil sur la version cette fois écrite qui a été publiée officiellement. Le paragraphe en gras, le paragraphe que j'ai noté paragraphe numéro 1 après les termes d'adresse, est en gras dans la version écrite officielle du discours, ce qui souligne probablement son importance. Je découpe les paragraphes en clauses et en phrases graphiques. Je regarde juste, je le découpe en vous donnant la traduction portugaise avec les clauses que j'ai notées par O, Horaçao, et les paragraphes qui sont signalés. On verra juste un petit problème de traduction avec la clause O4. Ce court exemple permet de voir comment se forment les unités intermédiaires de composition, paratone et paragraphe. Les clauses comme les clauses d'ouverture, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, notées O1 et O2, constituent un paragraphe souligné par un blanc d'alinéa à l'écrit. Ces clauses correspondent aux deux actes de discours fatigue d'adresse qui marquent l'ouverture d'un discours, un type de discours adressé, discours qui est soumis au vote de l'Assemblée nationale. À l'oral, cette formule officielle d'adresse subit un traitement un peu spécial, puisque l'intonation montante de valse et l'absence de pause marquée va enchaîner les deux clauses d'adresse sur les trois clauses qui formaient à l'écrit un paragraphe O3, O4 et O5. Pour constituer en fait un seul paratone, un seul paragraphe oral, l'orateur a manifestement du mal à bien oraliser son texte écrit, il a du mal à marquer la pause qu'il devrait marquer, la pause intonative après les termes d'adresse, et la preuve c'est qu'il bute, vous l'avez sûrement noté, il trébuche sur le premier mot de son discours en disant « tôt ». Trop de, j'ai essayé de mettre ça avec mi, muito, pour essayer de marquer cette hésitation. Donc le statut de la phrase périodique à trois membres, O3, 4 et 5, est pourtant un statut très différent de la formule officielle d'adresse et d'ouverture de discours.
cette phrase périodique est, je le disais tout à l'heure, soulignée en gras et forme un paragraphe clairement séparé de l'adresse et du paragraphe 2 par des blancs marqués. On peut considérer cette phrase incipit comme une sorte d'exorde du discours. On le verra en l'étudiant de près. Le troisième membre de la période, O5, se présente comme une anaphore résomptive. Si on prend les éléments effectivement de l'enchaînement O3, 4 et 5, le troisième membre se présente comme une anaphore résomptive ou ce qu'on appelle aussi une encapsulation anaphorique. Telle, utilisée en début de proposition et associée au verbe « être », a une valeur de renvoi anaphorique résumant les énoncés nominaux précédents. Nous avons affaire à une phrase paragraphe périodique ternaire dont la structure rythmique renforce la structure sémantique. La densité des répétitions et du rythme compense la juxtaposition parataxique des clauses nominales 3 et 4. Une opération de liage intervient, de liage centré sur la matérialité du signifiant. Et elle vient compenser en quelque sorte la syntaxe défaillante et elle vient aussi appuyer le sens. Cette période est marquée par un phénomène intraduisible en portugais, bien sûr. Un travail du signifiant fondé sur la répétition. À la fin de chacun des trois membres, vous avez la répétition de la syllabe rance et même deux fois d'un groupement syllabique, France. Cette sorte de rime aboutit à l'idée que le vocable France, la France, est la somme des souffrances et des désespérances des citoyens. Cette rythmique est un très bel exemple de ce qu'on appelle une période ropalique, c'est-à-dire une période dont les membres sont de plus en plus longs. D'abord 4 syllabes, puis 6 syllabes, puis enfin 10. Mais 10, c'est 4 plus 6. C'est bien l'addition des deux précédentes. Ce qui nous permet de retrouver l'anaphore résomptive, l'encapsulation du troisième membre de la période qui correspond à la somme syllabique des deux précédents. On ne peut mieux associer un fait formel, une répétition phonique et un nombre de syllabes, et un fait sémantique, l'encapsulation anaphorique. Le travail du signifiant et l'encapsulation engendrent une déviation sémantique en forme de glissement des animés humains concrets, les citoyens, les Français qui souffrent et qui désespèrent, vers l'entité abstraite de la nation, la France, et cela engendre un effet figural d'humanisation du vocable France, une allégorie, mais une allégorie tellement courante dans le discours politique qu'on peut parler d'une allégorie usée. Il faut linguistiquement insister sur un autre phénomène, le fait que O3 et O4 sont des clauses nominales. Benveniste a souligné le fait que la phrase nominale est une assertion intemporelle et impersonnelle, et c'est ce qui la rend apte à exprimer une vérité générale, ce qui est exactement le cas ici. Dans ce type de construction à deux termes, l'élément nominal qui a valeur de thème-argument se trouve en deuxième position, il est retardé, tandis que le rem propos est mis en relief par l'antéposition et prend la forme d'un quantificateur intensif, trop ou pas assez. Dans sa grammaire du sens et de l'expression, mon ami et collègue Patrick Charaudeau a parfaitement décrit le phénomène sémantique qu'il range dans ce qu'il appelle la quantité et l'intensité relative. Je mets empreinte et je traduis son schéma de la page 263. L'intensité relative présuppose l'existence d'une norme. Je reprends, on peut prendre ça comme ça, d'un consensus sociopolitique relatif à la limite de référence,
L'intensité relative représente un jugement subjectif quant à la position des vocables souffrance et espérance par rapport à une limite de référence posée comme acceptable. Les deux énoncés représentent une appréciation négative portée par l'énonciateur sur l'intensité jugée excessive, trop, de la souffrance, appréciation négative par excès, située au-delà de la limite fixée par les normes sociales collectives, quant à l'espérance qui pourrait corriger le sentiment de souffrance, son intensité est présentée comme insuffisante, située en deçà de la limite acceptable, pas assez, soit une appréciation négative par défaut. La troisième clause, le troisième membre de la période, avec son anaphore résomptif, son encapsulation, aboutit au fait que, au 5, la situation de la France est appréciée négativement et cela va justifier la teneur du projet politique qui est l'objet du discours de politique générale prononcé par le Premier ministre devant le Parlement. Le constat politique porté par le Premier ministre socialiste d'un franchissement de la limite de ce qui est tolérable est présenté comme dépassant énonciativement sa subjectivité. C'est ce que l'enchaînement avec le paragraphe 2 confirme. La phrase paragraphe 2 est étroitement liée au paragraphe 1 par le connecteur « et par une anaphore démonstrative, cette réalité. La reformulation par l'anaphore démonstrative confirme notre analyse du premier paragraphe. La phrase nominale, assertion intemporelle, a ici valeur de vérité générale, ce que vise à traduire le vocable « réalité », cette réalité, sur lequel Valls fonde son propos en imposant ce qu'il dit comme étant vrai, réel, et pas comme un point de vue subjectif. Du point de vue de la construction syntaxique, cette phrase paragraphe 2 est une phrase clivée exemplaire, comme on en trouve beaucoup dans le discours de Valls. Je rappelle la définition des clivés, la construction clivée prototypique, qui est biclausale, se présente comme une construction verbale articulée en deux segments. L'élément X dit clivé constitue le focus et la partie S2, ayant le statut de présupposé, est présentée comme une information ancienne ou inférable. La focalisation sur X implique que cet élément est distingué d'autres éléments possibles appartenant au même paradigme. Dans le cas du discours de Valls, c'est en quelque sorte « moi, je suis conscient de la réalité ». La phrase paragraphe reformule ce qui a été dit au paragraphe 1 en transformant la situation vocable vague en cette réalité. Le référent est ainsi reclassifié, emphatisé par l'extraction produite par la phrase clivée avec ses deux clauses 6 et 7. Le sujet de l'énonciation se construit dans le focus de 06, une posture, un ethos d'homme politique responsable et réaliste, conscient de la réalité sociopolitique. Le concept rhétorique antique d'ethos a été redéfini par la nouvelle rhétorique comme l'image de soi de l'énonciateur construite par son discours. La construction nominale du début du discours avait la particularité énonciative et discursive de faire apparaître le contenu propositionnel du paragraphe 1 comme non pris en charge énonciativement, comme un bilan objectif d'un état du monde, d'un état de la France, préexistant au discours du Premier ministre. C'est précisément le rôle du paragraphe 2 de reprendre énonciativement en charge le paragraphe 1. La suite du discours est fortement marquée par la présence du sujet parlant et par le contexte énonciatif thématisé dès la seconde clause au 7 de la phrase paragraphe que je me présente devant vous. Cette clause rejoint l'adresse initiale et boucle ainsi un premier mouvement discursif. Elle peut être considérée comme directement déterminée par le sous-genre du discours politique imposé par la loi. Le contact « je, vous » est constitutif du contexte énonciatif et politique dans lequel le Premier ministre soumet son programme de gouvernement au vote des députés en leur demandant de soutenir son gouvernement par leur vote. Le problème est un problème très intéressant se pose ici.
le paragraphe 2 pourrait être la phrase conclusive du premier paragraphe, et donc être intégré au premier paragraphe. C'est d'ailleurs ce que semble dire le connecteur « et l'anaphore démonstrative. « Et » pourrait être inconclusif, introduisant le dernier élément d'une construction périodique complexe. En choisissant de faire de cette phrase un paragraphe autonome, l'orateur insiste plus nettement sur « O6 » et la construction discursive de son éthos, au lieu de faire de la phrase clivée une simple conclusion prise dans un ensemble. C'est une question très intéressante de focalisation du sens. Et on voit là la pertinence du concept de l'unité paragraphe pour l'analyse linguistique. L'énonciateur poursuit la construction de son éthos discursif dans le paragraphe 3, qui diffère des précédents par sa structure syntaxique. Il est composé cette fois de trois phrases complètes, F1, 2 et 3, à la différence des paragraphes monophrastiques périodiques précédents. L'allégorie de la France souffrante et désespérée du paragraphe 1 est abandonnée dans ce paragraphe qui commence par « les Français ». Une structure anaphorique très classique garantit l'unité thématique référentielle de ce paragraphe, l'enchaînement pronominal de « il » qui reprend les Français, et la structure des pronoms qui organise le paragraphe avec les pronoms de première personne du pluriel, le « nous » qui rassemble le « je » et le « vous ». Quand on examine ce paragraphe de plus près, on constate que sa construction ternaire bascule autour du connecteur « et » de nouveau, le « et » du début de F3. C'est un bon exemple de la fonction textuelle de « et ». Introducteur généralement du dernier membre d'une série. Avant « et », on observe un face-à-face entre les Français et leurs élus. Nous, englobant l'énonciateur et ses destinataires, les députés. Les Français nous regardent, ils attendent beaucoup de nous. Après les marqueurs d'intensité relative trop et pas assez du paragraphe 1, un nouveau marqueur d'intensité forte apparaît. Il s'agit d'une intensité cette fois indéterminée, beaucoup. Postposée au verbe. Il s'applique de ce fait à un processus, pas à une propriété. Après « et », le collectif « nous » est abandonné au profit du « je » de l'orateur, ce qui lui permet de poursuivre la construction de son éthos. La phrase F3 a la forme d'une construction semi- ou pseudo-clivée introduite par le connecteur « et » avec le contenu présupposé placé en tête, avec le déontique qui crée l'obligation, la nécessité, le devoir pour l'homme politique, et le contenu posé à droite, mais ici à l'auteur de leur exigence. Vous avez vu à l'oral, c'est au singulier, à l'écrit, au pluriel. Alors j'arrête là l'analyse du discours de Valls, que je voulais prendre comme exemple d'analyse très technique d'un texte. Et au point où nous sommes arrivés, nous avons vu fonctionner un assez grand nombre de facteurs de liage textuel interne aux différents paragraphes et entre paragraphes, ce qui nous a permis de voir comment se combinent les paliers micro et mésotextuels, c'est-à-dire comment se fait le passage de l'interphrastique et des enchaînements périodiques au transphrastique, transpériodique. Je vous propose dans cette dernière partie de mettre de l'ordre dans ces procédures de liage en les inscrivant dans un modèle de théorie du texte. Une première distinction s'impose entre la structuration intraphrastique ou périodique et la texture inter- et transphrastique ou périodique. Vous avez vu que dans l'analyse que je viens de faire, j'ai beaucoup insisté sur la structuration phrastique périodique, orale et écrite, de notre exemple. Et nous sommes légèrement entrés dans les problèmes inter- et transphrastiques de la texture. Je distingue donc au plan de la structuration intraphrastique et intrapériodique les constructions morphosyntaxiques et prosodiques
et la ponctuation à l'écrit, prosodique à l'oral, ponctuation à l'écrit. Au plan de la texture interphrastique, nous avons vu comment le liage d'unités graphiques séparées s'opère et les liages entre périodes. Au niveau transphrastique, nous sommes entrés dans la construction des paratones et des paragraphes. Je distingue donc 6 procédures de liage qui correspondent à différents domaines de la linguistique, trop souvent séparés, étudiés séparément et sans théorie d'ensemble. Les procédures de liage assurant la connexité et la cohésion sémantique, les liages assurés prioritairement par la matérialité signifiante, on l'a vu tout à l'heure, les marqueurs de connexion, organisateurs et connecteurs, les procédures de liage fondées sur l'implicitation, les différentes formes de non-dit, les procédures de cohésion et les transitions énonciatives, et enfin les liens entre actes de discours. Le fait de pouvoir recourir à plusieurs de ces procédures de liage explique la diversité des jugements que nous portons sur la connexité et la cohésion de textes entiers ou de portions de texte, les paragraphes, les parties ou les sections. Quand plusieurs de ces procédures assurent conjointement le liage d'une suite d'énoncés, notre impression de connexité et de cohésion est très forte. Dans le cas contraire, cette impression est donc l'effet de textualité et graduellement plus faible. Le début du discours étudié nous a permis d'illustrer chacune de ces procédures, à commencer par les procédures de liage sémantique, la cohésion sémantique. Je vais vous redonner le texte portugais pour que vous puissiez suivre. On a vu d'abord un bel exemple d'anaphore fidèle avec la reprise de « les Français, ils », la façon dont la référence a glissé de la situation à cette réalité par une anaphore démonstrative recatégorisante nous a montré aussi comment la construction discursive du référent évolue au fil du texte. À la fin du paragraphe 1, nous avions étudié le cas d'une anaphore résomptive ou encapsulation avec tel. La continuité référentielle est assurée malgré le glissement du lexème France vers les Français. L'allégorie, on l'a vu, est ici réduite. Les concepts d'isotopie, de polyisotopie et d'hétérotopie permettent de suivre les mouvements thématiques d'un texte, de paragraphe en paragraphe, de groupe de paragraphe en groupe de paragraphe. Ici, le paragraphe 1 a pour unité topique la situation de la France. Le centre thématique du paragraphe 2 est double, l'orateur et ses destinataires, je, vous, associés en nous. Le paragraphe 3, lui, fait intervenir les Français. Et les Français sont au centre des paragraphes suivants, les paragraphes 4, 5, 6, avant qu'apparaissent le président de la République comme centre thématique provisoire, présenté comme étant à l'écoute des Français et comme chef de l'État venant de nommer Valls Premier ministre. L'exemple étudié permet aussi de voir comment certains vocables acquièrent un sens propre dans le cadre argumentatif plus large du texte. La colocation « La situation de la France » qu'on a observée en fin de paragraphe 1 devient 3 minutes plus tard la situation d'urgence de notre pays, ce qui dramatise le sens du premier paragraphe et nous permet de passer du palier microtextuel au palier plus vaste du texte. Je vais en reparler dans un moment. Deuxième type de liage, les liages du signifiant, c'est-à-dire les répétitions de graphèmes, isographie, de phonèmes, isophonie, la structuration rythmique par les répétitions et la structuration en parallélisme. Juste, je vous rappelle l'exemple qu'on a examiné tout à l'heure. Du côté du rythme, on avait ce passage du nombre syllabique de 4, 6 à 10. Du côté des parallélismes, c'était la construction identique de trop de souffrance, pas assez d'espérance. Et les répétitions, France, Rance, France, répétition phonique. Donc là, on a un système très complet d'organisation. La structure rythmique prend des formes différentes et dépasse souvent les questions de syntaxe, de surface. Ainsi, le paragraphe 1 pourtant, et le paragraphe 3, pourtant très différents l'un de l'autre, syntaxiquement, sont l'un et l'autre manifestement structurés par un rythme ternaire qui associe d'abord les membres 1 et 2 de la période,
avant de conclure avec un troisième membre, introduit chaque fois par un organisateur conclusif, avec tel ou avec et. Le paragraphe 3 présente lui aussi un étonnant nombre croissant de syllabes, 6, 8, 18. On a donc là des phénomènes comparables. Et si je considère le deuxième grand discours de politique générale qu'a prononcé le Premier ministre Manuel Valls 6 mois plus tard, en septembre 2014, c'est le titre qu'il avait donné à ce deuxième discours est un titre entièrement fondé sur le principe du parallélisme et de la répétition, de la même structure syntaxique, le courage de plus infinitif, et de la répétition également de groupes de phonèmes en position de rime, gouverner, réformer. Ce parallélisme très fort est à lui seul un programme de gouvernement, gouverner en réformant, deux verbes, ici en attente de leur réalisation temporelle et personnelle, en attente d'un sujet et d'un temps verbal. Le fonctionnement textuel de la répétition permet de mettre en relation des énoncés éloignés les uns des autres et de passer ainsi du microtextuel au méso et au macrotextuel. J'insisterai aujourd'hui sur la fonction textuelle de deux répétitions formulaires. La première est celle de l'adresse aux interlocuteurs, mesdames et messieurs les députés, qui est répétée 11 fois dans le cours du discours. Cette formule d'adresse répétée sert de ponctuant et divise le discours en parties ou sections. À l'oral, la formule se trouve à la 4e minute, à la 8e minute, 10, presque 11e minute, 13e minute 39, 22, 23e minute, 25e minute, 27e minute, 36e minute, 39e minute, 40e minute. À l'oral, 2 occurrences sont ajoutées par l'orateur aux 9 occurrences précédentes. Dans le texte écrit, 11 au lieu de 9. Alors, 11 à l'oral au lieu de 9 à l'écrit. C'est un point qu'il faudrait analyser de plus près pour voir si le plan du discours bouge entre l'écrit et l'oral et trouver les raisons de cette modification. Une deuxième reprise est très intéressante, celle de la construction clivée, et c'est conscient de que je me présente devant vous. 1 minute 30 secondes après le paragraphe 2 dont nous venons de parler, on trouve une reprise en expansion. Ajout d'une relative, la responsabilité que m'a confiée le chef de l'État, dans la première clause, et dans la deuxième clause, une dimension programmatique qui est soulignée par la marque typique du discours procédural, ou du discours introductif de programme, pour ou plus infinitif, pour ouvrir une nouvelle étape. Si j'en viens maintenant aux connexions soutenues par des marqueurs connecteurs et organisateurs, on trouve un exemple du troisième cas, les marqueurs métatextuels de cohésion. De quoi s'agit-il? Je les utilise très souvent quand je vous dis, on le verra tout à l'heure ou comme on l'a vu plus haut. On en trouve un bel exemple dans ce passage, à la 40e minute du discours, c'est le dernier, mesdames et messieurs les députés. La réalité, je l'ai décrite. Et ce « je l'ai décrite », cette phrase disloquée, « la réalité, je l'ai décrite », avec renvoi frontal du vocable « réalité » en tête, et reprise par le pronom clitique comme doublé postiche, « je l'ai décrite », cela sous-entend « je l'ai décrite plus haut », »,« je l'ai décrite il y a un moment », le renvoi au tout début du discours est explicite et l'orateur active ainsi la mémoire discursive de son auditoire en insistant sur l'importance des premiers mots de son allocution. Dans notre étude du début du discours, nous n'avons pas trouvé beaucoup de connecteurs, à part ceux dont je viens de parler, tel est, un premier « et » au début du paragraphe 2, l'autre en fin de paragraphe 3. Le « et » du paragraphe 3 est clairement un organisateur conclusif, tandis que le « et », le premier « et » qui ouvre le paragraphe 2, est un « et » qui est tiraillé entre une fonction d'organisateur conclusif. Dans ce cas, il conclurait le paragraphe 1, c'est l'interprétation que je proposais tout à l'heure, de raccorder le paragraphe 2 au paragraphe 1, et sa fonction de « et » qu'on appelle le « et » de reprise, qui appuie l'ouverture d'un nouveau paragraphe, d'un nouveau paragraphe. Et le connecteur passe-partout le plus utilisé par Valls, on a 130 occurrences
dans le premier discours et 133 dans le deuxième. Vous voyez, très largement au-dessus des autres, c'est le connecteur fourre-tout, passe-partout, qui écrase littéralement les autres. Elles n'ont pas beaucoup de variété. Le discours prononcé 6 mois plus tard présente, quand on regarde ces statistiques, un peu plus, beaucoup plus en fait, puisqu'il double, il double le nombre des explicatifs, car et parce que. On n'avait que 8 et on en a 16, exactement le double, dans le deuxième discours. Fait intéressant aussi, les deux discours ne comportent quasiment pas de concessifs. Un seul cependant dans les deux discours, un seul pourtant dans valse numéro 2, aucun certes, aucun toutefois. Et les concessifs, c'est le moyen d'introduire la parole de l'autre et d'entrer en débat avec autrui, ce que ne fait manifestement pas ce Premier ministre. Enfin, le conclusif, donc, est un des connecteurs les plus employés, vous le voyez, après le connecteur « mais », qui remplit un peu toutes les fonctions. Donc, les connecteurs, on les trouve, par exemple, un peu plus nettement accumulés dans un paragraphe de ce type. Vous voyez le « car » et le « mais », qui structurent en début de phrase, de phrase typographique, l'organisation du paragraphe, qui devient de ce fait un paragraphe argumentatif, clairement marqué par ces deux connecteurs, comme le paragraphe 1 était un paragraphe plutôt descriptif. J'en viens aux implicitations sans trop insister, mais je voudrais mentionner un fait important à mes yeux. Aucun texte ne dit tout, et le rétablissement inférentiel des informations implicites est un élément capital de la compréhension autant que de la production d'un texte. L'énonciateur est censé prévoir les informations manquantes que son lecteur sera capable de rétablir. Et le degré d'implicitation ou d'explicitation signale la différence entre le didactique très explicite et un discours plus élaboré, plus artistique peut-être, plus abstrait, qui maintiendra beaucoup d'énoncés de façon implicite. Ils seront en quelque sorte non-dits. Dans le texte de Valls, ce qui me frappe, c'est qu'en fait, les présupposés remontent à la surface. On a l'impression qu'il a besoin d'être absolument clair. Et le passage que je citais il y a un instant présente un jeu avec une allusion qui permet de surdéterminer le vocable confiance. Et on a besoin de connaître cette allusion pour comprendre le sens du vocable confiance, ou voir le jeu qui est celui de Valls. Le Premier ministre demande aux parlementaires de voter ce qu'on appelle juridiquement la motion de confiance. Mais il transforme ce terme technique du Parlement en quête d'un contrat moral de confiance. La confiance qui manque dans les yeux des Français, la confiance clé de tout, dit-il, qui vient chercher en vous, on a véritablement une transformation, un glissement. Le premier énoncé, telle est la situation de la France, on avait vu tout à l'heure, était lui aussi tout à l'heure corrigé par le glissement situation d'urgence de notre pays, 3 minutes plus tard. Et on a vu ainsi comment se sémantise par l'implicite du fondement du discours le sens. J'en viens à ce qui m'intéresse le plus, le problème de l'intertextualité. L'intertextualité, dans le texte de Valls, ne reste pas implicite. Elle remonte, elle aussi, à la surface. Juste avant le passage que je viens de citer, on a une allusion qui sert à deux choses, une allusion intertextuelle. Dans des circonstances bien différentes, à cette même tribune, il y a 60 ans, un homme nous a montré la voie. Le mot d'ordre de Pierre Mendès France, « dire la vérité », m'oblige, nous oblige. La vérité, c'est le premier principe de la démocratie.
Je dirai donc la vérité aux Français, je la leur dois. Vérité sur la situation d'urgence de notre pays, vérité sur les solutions qu'il faut apporter. On va voir comment notre situation d'urgence se trouve reprise par tout ça. La convocation du mot d'ordre rapporté de Pierre Mendès-France en programme, « Dire la vérité », sert à sémantiser le premier des trois vocables du titre donné à ce discours du 8 avril 2014. Un discours avec trois mots, qui sont trois mots d'ordre, « vérité »,« efficacité », »,« confiance ». Je viens de parler de ce dernier, « confiance », mais Valls sémantise intertextuellement le premier vocable en se référant à une grande figure du socialisme français, Pierre Mendès-France. La convocation intertextuelle, interdiscursive de cette figure tutélaire lui permet de se situer dans la lignée du programme de Mendès-France et de renforcer de nouveau son ethos en ajoutant à l'image de l'homme politique responsable et réaliste du tout début du discours l'image de celui qui suit la voie indiquée par Mendès-France et qui, comme lui, choisit de dire la vérité à la nation et d'appliquer ainsi ce qu'il appelle le premier principe de la démocratie. À l'ère des fake news, ce premier principe des démocraties mérite d'être repensé. C'est tout le sens aussi du futur, je dirais donc la vérité, je dirais qui accomplit un acte d'engagement et du don qui souligne le mouvement argumentatif des paragraphes que je viens de citer. Le tout est renforcé en plus par une modalité déontique, le verbe devoir, la modalité du devoir, pardon, je la leur dois. Ces observations m'amènent aux deux derniers points sur lesquels je veux insister, la scène générique d'énonciation et les actes de discours. Je définis l'énonciation avec Benveniste comme un procès d'appropriation de la langue, on l'a vu avec les lexèmes de la langue devenant des vocables d'un texte liés à une situation particulière d'énonciation. Je rappelle la citation de Benveniste, célèbre, « Le locuteur s'approprie l'appareil formel de la langue et il énonce sa position de locuteur par des indices spécifiques. » Cette idée d'énoncer sa position de locuteur, c'est tout ce qu'on a examiné autour de l'éthos de Manuel Valls. Le locuteur s'approprie l'appareil formel, mais immédiatement, dès qu'il se déclare locuteur et assume la langue, il implante l'autre en face de lui, quel que soit le degré de présence qu'il attribue à cet autre. Toute énonciation est explicitement ou implicitement une allocution, elle postule un allocuteur. On a vu dans l'Assemblée que cet allocuteur est très présent, il manifeste d'ailleurs beaucoup. Plusieurs grandes catégories d'indices énonciatifs assurent l'unité de portion de texte et les transitions entre sections plus ou moins hétérogènes énonciativement. La prise en charge des énoncés, l'attribution de certains énoncés à d'autres énonciateurs, dont découlent des confrontations de points de vue, des variations de plan d'énonciation, et les retours méta-énonciatifs du dire sur le dit sont autant de marqueurs. Si on définit bien la textualité comme une tension entre continuité et discontinuité, il est évident que les variations énonciatives marquées par les traces pronominales, pronoms personnels et déterminants possessifs, par les indices de l'ostension, par les formes verbales, par les formes diverses du discours rapporté et de ce que Autier Revue appelle la représentation du discours autre, tout cela balise des portions de texte et une configuration énonciative mouvante. Les indices de l'ostension, comme à cette même tribune, et l'incessante allusion méta-énonciative à la situation d'énonciation, quand Valls répète « je me présente devant vous », tout cela signale l'importance de ce que Dominique Magnot appelle la scène générique, la scène d'énonciation. Je cite ce qu'il en dit dans le dictionnaire d'analyse de discours. En parlant de scène d'énonciation, on met l'accent sur le fait que l'énonciation advient dans un espace institué. Ici, le cadre, c'est pour ça que j'ai choisi cet exemple, le cadre du Parlement, défini par le genre de discours, mais aussi sur la dimension constructive du discours, qui se met en scène, instaure son propre espace d'énonciation. C'est un peu cette construction que nous avons explorée au passage. C'est ici que s'articule textualité et discursivité, bien sûr. Comme on l'a vu dès le paragraphe 2, le centre thématique est double. Il a trait à la situation d'énonciation, puisqu'il met en scène l'orateur, je, personne 1, et ses destinataires directs, vous, personne 2, qu'il réunit en un nous, personne 1 plus 2. Le paragraphe 3 fait advenir les Français et la France en plaçant
je et nous sous leur regard, ce que j'essaie de mentionner avec les flèches montantes et descendantes, prêts à juger l'action politique des parlementaires et du chef du gouvernement, de je et de nous. Les Françaises sont au centre de plusieurs paragraphes avant que soit introduite la figure, je le disais tout à l'heure, du chef de l'État, il, personne 3, il, comme centre thématique provisoire, le chef de l'État qui nomme le Premier ministre. C'est ainsi qu'est organisée la scène d'énonciation et qu'on peut suivre les mouvements thématiques d'un texte de paragraphe en paragraphe. Je termine avec les procédures de liage textuel liées aux actes de discours. Comme un texte n'est pas une suite de phrases ou de paragraphes, un texte n'est pas une simple suite d'actes de discours possédant une certaine valeur illocutoire, de l'assertion à l'interpellation, de l'injonction à l'avertissement. Le principe de cette structuration textuelle a très tôt été envisagé par Weber. Les analyses concrètes montrent que les actes illocutoires qui constituent un texte forment des hiérarchies illocutoires avec, je souligne, un acte illocutif dominant étayé par des actes illocutoires subsidiaires. L'acte directif dominant se trouve tout naturellement exprimé à la fin, à la toute fin du texte, mêlé à une affectivation, et je vous demande, le cœur battant pour la France, de m'accorder votre confiance pour qu'ensemble, cette confiance, nous la rendions aux Français. Demander à quelqu'un de faire quelque chose, c'est du point de vue des actes de discours, le directif par excellence. Van der Wecken le définissait ainsi, demander, c'est faire une tentative linguistique pour que l'allocuteur fasse quelque chose en lui laissant l'option de refuser. À la différence d'un ordre, cet acte directif reste ouvert sur une délibération des destinataires. C'est aux parlementaires qu'il revient de décider s'ils veulent ou non répondre à la demande qui leur est adressée, voter pour ou contre la motion de censure. L'énonciateur se contente de leur proposer de choisir ce qu'il croit bon pour la nation qu'il représente. Tout le genre discursif et rhétorique du discours délibératif politique tient dans cet acte directif demandé. Dans un texte, les actes de discours ponctuels ne prennent sens que par leur insertion dans des structures hiérarchiques de niveau de complexité supérieur. Et là aussi, il devient nécessaire de passer de l'organisation interphrastique périodique à la structuration transphrastique périodique, non seulement mésotextuelle, mais macrotextuelle. Je termine par deux remarques, et je développerai plus si vous me posez des questions sur ces points, concernant les paliers supérieurs de textualisation, ceux que la linguistique classique a tendance à ignorer. D'abord, le palier mésotextuel de structuration. À l'écrit, aller à la ligne pour commencer un nouveau paragraphe sert à mettre en évidence une clause, une période, une phrase graphique. On l'a vu avec le paragraphe 2, ou à grouper un ensemble de phrases-périodes entretenant des liens étroits. Psycholinguistes et linguistes font du paragraphe non seulement une unité de segmentation du texte, mais l'indice d'une activité métadiscursive du scripteur, la trace d'un travail explicite d'organisation de l'énonciation visant en particulier à faciliter la tâche de l'interprétation. De nombreux travaux empiriques et expérimentaux ont démontré que la segmentation en paragraphe facilite et programme la lecture en donnant par les encoches et entailles, entre paragraphes et entre sections regroupant des ensembles de paragraphes, des instructions de maintien temporaire d'informations en mémoire de travail et de mise en relation de ces informations textuelles par étapes et boucles de traitement. Les paragraphes facilitent ainsi l'accès à l'organisation topique du texte. Toutefois, le cas de Manuel Valls est sur ce point intéressant. C'est aussi pour ça que j'avais retenu ce discours dans un premier temps. Le trop grand nombre de paragraphes très courts nuit à la perception de la cohérence des enchaînements discursifs. Le palier mésotextuel de structuration comprend deux unités combinées, les segments sur le plan de la découpe graphique et les groupements de phrases-périodes en macro-propositions sur le plan sémantique. En tant qu'unité de sens, les segments marqués par des alinéas sont constitués d'un nombre indéterminé de clauses liées au sein de phrases graphiques et de périodes. L'alinéa confère au paragraphe une connexité, une cohésion sémantique, subsumable par au moins une macro-proposition. Le cas de la strophe dans les textes en vers est un peu plus compliqué, je le laisse de côté.
Les macro-propositions correspondent à des séquences de traitements au cours desquelles des regroupements de clauses, de phrases et de périodes aboutissent à la construction d'unités de sens de plus haut rang de complexité, ce que vient brouiller la multiplication, la trop grande présence de très très courts paragraphes, comme c'est le cas dans le discours de Valls et peut-être parfois dans les copies de vos étudiants. Ces groupements forment soit des macro-propositions libres, formant alors des paragraphes, soit des macro-propositions liées à plusieurs autres macro-propositions, formant alors des séquences, une macro-proposition argument étant liée à une macro-proposition conclusion dans une séquence argumentative, un nœud à un dénouement dans une situation initiale à une situation finale dans une séquence narrative, une question à une réponse dans une séquence ou un échange explicatif avec pourquoi, parce que, en explication. Les mésostructurations séquentielles sont comme les genres de discours l'objet d'un apprentissage parallèle à celui de la langue. En apprenant la langue d'un groupe social, nous apprenons en même temps les systèmes de genre discursifs dans lesquels cette langue se réalise et qui la contraignent, et nous apprenons aussi à distinguer ce que Swales considère comme des formes pré-génériques. Mon livre sur la théorie des séquences théorise 5 de ces modes d'empaquetage séquentiel préformatés d'articulation, de suite de phrases, périodes, en paquets de macro-propositions liées. Chacune de ces macro-propositions peut former un paragraphe et ces macro-propositions liées peuvent être regroupées au sein d'un seul paragraphe de façon très libre. Je conclus sur le palier macro-textuel de structuration. Le sentiment d'unité globale d'un tout verbal, générateur d'un effet de textualité, est le résultat de la cohésion sémantique qu'un titre peut donner à lire et de la cohérence interactionnelle d'une macro-action discursive, qu'exemplifiait bien dans l'exemple que j'ai choisi de traiter, l'acte directif final de demande. Tout texte se présente comme une combinaison du linéaire, connexité orientée de l'écrit contrainte par la langue, et de deux modes non linéaires de construction de sens, la perception d'un tout de sens qui fait l'unité du texte, structuration qu'on appelle configurationnelle, et la perception de réseaux de vocables récurrents et co-occurrents, les structurations en réseau réticulaire, en réseau de vocables. Tout cela est autant de facteurs cohésifs importants, on les a vus partiellement fonctionner. Les co-occurrences sont un facteur déterminant de la textualité, les répétitions également. Le double tissage interphrastique microtextuel et transphrastique mésotextuel est producteur de réseaux de détermination qui font de tout texte un système organisé de relations d'interdépendance. J'arrête là pour garder assez de temps pour répondre à vos questions. Alors, je crois qu'il faut que j'arrête de partager, n'est-ce pas? Pour revenir vers vous. Mais je n'entends pas Grâce à. Voilà, je crois que ça marche. Oui. Ça y est. Ça y est pas encore. Je vois pas. Pour moi, c'est bon. Miguel. Sim. Ah, eu já falo agora, só tem duas perguntas. Pode falar, Graça. Pronto. Ah, sim, mas eu não apareço, né? Só faço falar. Porque eu não estou vendo aqui nada na tela, mas tudo bem. Você está aparecendo. Estou aparecendo? Ok. Então, Jean-Michel Adam, je voudrais commencer en remerciant, dire bravo par cette très belle conférence qu'on a beaucoup appris. Et disons que c'est un honneur pour nous, toujours, vous entendre. J'ai deux questions. Une, est-ce que vous pensez que c'est possible de proposer le temps comme catégorie d'analyse textuelle et dans une approche de niveau de textualisation telle que vous proposez, le temps à partir de Weinrich et Bonveniste à propos de deux plans énonciatifs? C'est la première question? Oui. Oui, c'est la première question. Alors, je l'ai en fait abordé, vous avez vu, lorsque j'ai parlé de
des liages énonciatifs. Et ça, c'était le type de liage le cinquième, avant-dernier. Et dans ce que j'ai appelé justement les mouvements de continuité et de discontinuité de l'énonciation, eh bien, c'est très souvent marqué par les temps verbaux. C'est pas un hasard si Weinrich a été un des premiers à faire de la linguistique textuelle avec Cocheriou. Harald Weinrich, qui travaille sur les temps verbaux, a mis en évidence les phénomènes de continuité, de discontinuité, de plans d'énonciation qui sont assez proches des deux plans postulés par Benveniste. Dans mon livre sur la linguistique textuelle et la théorie de l'analyse textuelle des discours, je consacre un chapitre à ces problèmes et je montre aussi qu'on peut découper les temps verbaux non pas en deux systèmes comme le proposait Benveniste, mais en fait en quatre systèmes. Pour répondre très concrètement à la question, les temps sont un des facteurs déterminants de structuration des continuités et discontinuités. Quand tout à coup, des temps qui sont des temps du récit sont interrompus par des vérités générales ou par des temps du dialogue, comme le présent ou autre temps, on voit bien qu'on change de système et des discontinuités sont produites. C'est aussi tout le sens même des phénomènes de discours direct et indirect. Un discours direct est un élément hétérogène, clairement marqué comme hétérogène du point de vue énonciatif. Une représentation de discours autre, comme le dit Autier Revue, même chose, ça fait un élément hétérogène dans la continuité. Et puis en revanche, avec l'indirect et l'indirect libre, on efface un peu la zone frontière d'hétérogénéité, on change les temps des verbes, et comme ça, une continuité narrative est plus grande. Donc cette question est fondamentale en linguistique du texte. Je dirais que c'est même une des premières qui a été théorisée, en même temps que les questions des anaphores et des progressions thématiques. Simplement, les gens qui travaillaient sur les temps verbaux, sur les modalités, mais ne s'intéressaient pas à la textualité, comme le faisait Weinrich, et ne raccrochaient pas ces phénomènes à d'autres phénomènes. C'est l'histoire de la recherche scientifique. On a tendance à isoler des plans, des points, au lieu d'essayer de chercher les relations complexes qui organisent des textes. Donc, merci pour cette première question. La deuxième et dernière. Est-il possible d'identifier un acte de discours dominant en chaque texte? En tout texte, c'est en chaque texte. Alors, ça, c'est très, très intéressant. Parce qu'à mon avis, c'est quelque chose que spontanément, on postule. Quand on écoute un discours, du moins si on le juge cohérent, on va chercher ce qui va pouvoir l'unifier. Et ce qui va l'unifier, ce sont deux choses. C'est généralement un tout de sens, justement le titre qu'on pourrait lui donner qui résumerait le texte, c'est l'unité de sens configurationnelle. Et quand on n'arrive pas à trouver un titre qui unifie, on ne tient pas la cohérence. On le sait bien tous, quand il faut chercher un titre d'un livre, un titre d'un article, quand on cherche avec les étudiants un titre de mémoire ou un titre de thèse, on sait à quel point c'est complexe. Et une fois que le titre est donné, il opère des contraintes sur ce qu'il va y avoir à l'intérieur du tout. Donc, un titre sémantique, c'est clairement un facteur unificateur. Mais les discours ne sont pas qu'une communication sémantique d'un référent, c'est une action sur autrui. Il n'y a pas de discours qui ne soit une volonté d'action. Et même si, en racontant une histoire, on veut simplement distraire, passer le temps, eh bien, c'est une forme d'acte englobant. Quand à la fin d'une histoire, on dira « Mais pourquoi tu me racontes ça ?» Pourquoi tu me racontes ça, ça veut dire « Quel acte tu as cherché à accomplir ?» Et si on ne trouve pas l'acte qui pourrait rendre compte de tout ce qui a été dit, du récit qui vient d'être fait, si on ne comprend pas la cohérence pragmatique du texte.
moi, quand je travaille sur un texte politique, j'observe toujours cette façon de faire monter l'acte dominant vers la fin et de l'avoir annoncé généralement avant, à plusieurs occasions, d'une façon encore insidieuse ou indirecte. Et puis progressivement, ça se précise. Et à la fin, normalement, l'acte est prononcé. Et quand un discours politique est fort, enfin, j'avais fait ça à propos de l'appel du général de Gaulle, l'appel qu'il fait aux Français, qui est un appel à s'écarter de ce qu'exige le gouvernement français de l'époque. Donc, c'est un acte très, très grave. Alors, cet acte est produit, bien sûr, en fin de discours, et il est préparé progressivement. Donc, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est la façon dont se prépare un acte de discours qui s'énonce de façon explicite ou qui ne s'énonce pas de façon explicite. Et là, on rejoint ce que je disais avec le plan de l'implicitation, le quatrième plan de Liage. Dans l'implicitation, on peut très bien garder implicite l'acte de discours qu'on a cherché à prononcer pour le laisser deviner, pour le donner à deviner par l'auditoire et pas avoir l'air justement d'être trop explicite, trop didactique. C'est comme ça que je répondrai à cette question. Non, ok. Oui. Okay. Mais il a paru une dernière question. Qu'est-ce qui vous amène à maintenir la séquence dialogale au même niveau de la séquence narrative, argumentative, si une séquence dialogale peut le contenir? Oui, bien sûr. C'est une question tout à fait juste. Donc, la première chose, c'est dans les textes écrits, écrire un dialogue ou écrire une pièce de théâtre, ça engage une façon d'écrire qui est très particulière et qui en fait correspond à une transposition un peu particulière des contraintes du dialogue oral, du dialogue en interaction orale courante. Donc il y a un statut particulier du dialogue dans les textes écrits. Vous voyez cette extrême importance parfois du discours rapporté ou des dialogues rapportés à l'écrit, dans la presse, on ne cesse de rapporter des paroles. Donc la façon dont va être organisée la mise en scène, alors je dis séquence dialogale, c'est parce que quand il y a question, réponse, évaluation conclusive ou des enchaînements plus complexes qui se forment, je veux dire, ça, je peux l'analyser dans les textes écrits, et c'est une contrainte d'écriture, d'enchaînement des clauses, d'enchaînement des phrases, qui est une contrainte très très forte. On n'écrit pas de la même manière une suite narrative, une suite dialogale, une suite descriptive. Donc les textes qui m'ont imposé de conserver cette idée de séquence dialogale, les textes l'exigent, je n'y peux rien. Certains enchaînements ne sont pas explicables autrement que par ces phénomènes. Et la séquence dialogale à l'écrit a tendance à être une unité, une sous-unité dans un autre ensemble, par exemple le dialogue dans le récit. C'est ça qui va aussi être fondamental, c'est l'organisation hiérarchique. En revanche, si on prend la situation orale d'interaction, on est cette fois dans du dialogal qui va enchâsser, lui, les séquences d'un autre ordre. Le point essentiel dans la théorie des séquences, c'est cette idée d'articulation de séquences. Ce n'est pas le fait qu'il y ait une séquence en elle-même autonome. Ce qui se passe la plupart du temps, c'est qu'il y a des enchâssements de séquences narratives dans le dialogue ou dialogue dans le récit, explication dans un récit ou récit dans une explication. C'est ça qui est intéressant du point de vue de la combinaison et surtout, c'est ce que veut montrer l'étude du niveau mésotextuel, j'insiste, des contraintes qui s'exercent sur les chaînes de macro-proposition. Donc, c'est la séquence dialogale
est enchâssante comme les autres séquences peuvent être enchâssantes. Merci encore une fois à notre conférencier, notre cher professeur, notre cher ami. Et au nom de la Braline, Jean-Michel, je vous remercie encore une fois. Et je répète, la conférence a été magnifique et vos réponses aux questions également. Alors, un grand merci et bravo, bravo, que nous ayons d'autres chances de vous entendre. Et je profite, aproveito para agradecer à la diretoria da Abralim, na pessoa do presidente, de todos os membros que constituem a diretoria. Miguel, esse trabalho está maravilhoso, brilhante, que vá adiante. Parabéns mesmo. É, gostaria também de agradecer mais uma vez ao trabalho das excelentes tradutoras, a professora Suzana e também a doutoranda Isabel Muniz. Gostaria também de convidar as pessoas que estejam nos assistindo e que não sejam ainda sócias da Abralim para dizer que o façam. Vamos tornar nossa associação cada vez mais forte. Para isso, precisamos de todos. Igualmente, convido a todos que vêm assistindo essas conferências da Abralim que não deixem de participar da programação prevista. Então, mais uma vez, muito obrigada e aqui nós encerramos e para encerrar ainda evoco o nome da professora Mônica Magalhães. Muito obrigada pelo convite e pela organização junto à Abralim. A todos, nosso grande agradecimento. Muito obrigada mesmo. E a notre cher Jean-Michel, que je faisais de remerciement à Abralim, Jean-Vitel Silejan de devenir, de participer de l'association et de continuer à suivre le programme Abralim ao vivo. Et à toi, encore une fois, un grand merci. Et on s'arrête là. Merci. Merci. Allez, merci, merci à toi. Et je reprends tous tes remerciements adressés à tout le monde, à Monica, au président de la Abralim. Je vous remercie tous et merci à tous ceux qui ont pris du temps pour écouter la conférence. Avec toutes mes amitiés. Au revoir. Au revoir. Allez.